Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog et c'est le vlog du voyage à Paris. Bon, il s'est arrêté comme par hasard en plein soleil, donc la lumière est un peu bizarre. De toute manière, la lumière sera toujours bizarre dans ce vlog. Donc voilà, on est en route pour Paris du coup avec la petite équipe. Et voilà. Et du coup, on va partager tout ça avec vous. Mais une BD, toi. Voilà, donc le GT Gabi et le Zoolman derrière. Dans la BM. Dans la BM, voilà. Je vais me bouquiner parce que ça, je me réserve pour plus tard. Oh putain, le cycliste pile devant le feu. Je vois le feu, t'inquiète. Écrase-le. Et donc là, on va du coup en route pour la gare et on décolle du coup par le train pour Paris parce que c'est plus économique. Enfin, c'est moins coûteux surtout. Oui, c'est plus économique, ça veut dire. Si on était parti à 5, on aurait économisé. Oui, c'est sûr que ça aurait été pas pareil. Mais vu qu'on est que 3, voilà. Et on avait pris à l'avance. On avait pris plusieurs semaines à l'avance. Voilà, voilà. Donc, le voyage pour Paris, en fait, c'est les deux messieurs ici présents qui ont été mis dans une histoire d'un manga donc, qui s'appelle Talento 7. Et ils sont invités, du coup, ce soir, donc jeudi 15 septembre soir, à une sorte de avant-première séance de dédicace. Voilà. Et tu t'es incrusté. Et je me suis incrusté. En fait, voilà, c'est une grosse soirée privatisée, organisée par l'éditeur Cana, avec la présence des deux auteurs, donc le dessinateur et le scénariste. Voilà. Voilà, voilà. Donc, le but de ce voyage, c'était surtout voilà, cette séance de dédicace, soirée privée, slash soirée pizza. Voilà, et on reste un peu plus longtemps pour faire du tourisme. On va voir les Parisiens. Voilà, voilà. C'est un autre monde. Sort de la province. On partagera ça avec vous. On ira voir la jungle des Parisiens. Voilà, on est arrivé à la gare du coup. On est à Saint-Exupéry, à la gare de Lyon. Saint-Exupéry, on essaie de trouver où est-ce qu'on doit aller. On est un peu trop à l'avance, donc voilà, on va attendre un petit peu. Pour une quarantaine de minutes au moins d'attente. On voit la taille de nos deux. Voilà. Donc, on va aller s'asseoir dans un petit endroit histoire de ne pas rester debout et attendre un petit peu. Allez. Ça y est, on est arrivé à l'hôtel, donc c'est une toute petite chambre, voilà, avec Romain et les Zoolman. Voilà, donc Hélo et Gabi vont être dessous et moi je vais prendre le lit superposé. Et lui, il sera là-haut, voilà, c'est tout petit, hein, vous voyez. C'est que pour deux nuits, après toute façon, on ne va pas rester ici. Et il y a la salle de bain là-bas, dans le couloir là-bas. Là-bas. Après ce qu'on voit de l'hôtel, du coup, Paris, on est au niveau de Bercy, Bercy 2 très exactement, vous voyez là-bas, voilà, il y a un grand centre commercial Carrefour, il est pratiquement 14h, on vient d'arriver et on a très faim parce qu'on n'a pas mangé dans le train, donc là, on fait tous une petite pause toilette et après on va partir grignoter un petit truc, voilà.
Voilà, du coup, la première séance de dédicace finalement qui se faisait dans un autre. Dans une petite librairie pas très loin de l'autre. Voilà, donc on attend celui qui a fait l'histoire qui n'est pas encore là. Voilà, voilà. Donc là, on se rend au premier magasin de jeux vidéo et j'ai déjà fait un premier achat à Paris. J'ai acheté le premier manga Animal Crossing. Je viens de commencer, regarde, 12 secondes. Ah oui, mais tu ne me mets pas dans l'ombre quand tu démarres. Il est petit, il est petit. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Voilà, donc voilà, premier achat aussi pour toi, non, dans la boutique, dans la librairie. Du coup, verre de gris. Voilà, donc deux premiers achats pour nous. Et un journal d'un asile, encore dispo. Toujours. Oui, je suis sur ma perte d'un qui coûtait 185 euros. Non, non, 185 euros. Donc là, on se rend au premier magasin de jeux vidéo en attendant la vraie séance de dédicace où on est invité, la soirée pizza, tout ça de ce soir. Moi, je vois déjà les commentaires qui vont dire « Oh, mais ils vont à Paris, c'est pour les boutiques !» Non, on va aller faire quand même les... le musée Grévin, la tour Eiffel, les trucs de touristes. Voilà. Ah, c'est le voilà. Cas, il était choqué qu'on ait fait les magasins de jeux vidéo. Bah oui. Ah ben il croit que quoi? Que les geeks ils vont venir à Paris, ils vont pas faire les boutiques? Ah, franchement. Attends, on fait toujours le jeu vidéo. Bah oui. Non, oui, donc, bon, petit bilan, moi je trouve quand même que Paris ressemble beaucoup à Lyon, mais en plus grand et plus pollué. Oula, et plus, c'est encore plus merdique. Voilà. Hein? C'est bien plus merdique que Lyon. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Non, mais tu compares Lyon, mais non, là c'est pire que Lyon. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, ça ressemble à Lyon, mais en plus grand et plus pollué que Lyon. Oui, non, mais t'as pas encore. Alors voilà, on est à l'Extra Life Café pour la soirée où ils étaient tous les deux invités, donc pour la sortie du fameux manga. Voilà. L'auteur scénariste qui est en train de préparer l'annonce de son stream juste oui. À côté. Un gros stream avec des. On va faire du tournoi pour faire gagner. Oui, moi je vais participer, je vais me faire massacrer, mais ce sera dans la joie et la bonne humeur. Et je rappelle que c'est la soirée de lancement de ce jeune produit Talon Perceval qui sort en librairie demain matin. Donc, voilà. Vous prenez le petit déjeuner et vous pouvez sortir une niche dehors. L'acheter parce que c'est bien. Bon, on va dire que d'ici que je monte ce vlog et que ce soit en ligne, ce sera sûrement la semaine prochaine. Voilà. Pas dans
à Capcom, donc grosse annonce aujourd'hui de Street Fighter 6. Et là, il y a Cyril, je présente Cyril, Capcom France. Tu veux me dire un mot parce que tous les gens qui sont là rêvent d'en savoir plus sur Street Fighter 6. Et ce soir, Cyril va nous dire la date de sortie de Resident Evil sur Switch. Vas-y. Tekken, allez, boum boum boum, je balance les coups, j'y pouvais rien, mais j'y suis heureux, j'ai joué une partie contre elle, donc voilà, même si j'ai perdu, hein, moi c'était un moment fun, c'était marrant. Bah alors Gabi, j'espère que tu as bien commenté ce match et que tu as réussi à me j'ai dit t'allais perdre. Ça y est, on est le jour numéro 2. Comme vous avez pu voir vite fait, on est allé prendre le petit déjeuner. Et juste en face, en fait, au petit bistrot juste en face de l'hôtel. Et là, on va aujourd'hui faire le côté tourisme. Donc on a décidé de commencer ce matin d'abord par le musée Grévin. Donc voilà, on va essayer de traverser une bonne partie de Paris avec le métro pour aller jusqu'au musée Grévin. Et voilà, on va voir après où est-ce qu'on mange le midi, suivant combien de temps on mettra, où est-ce qu'on sera. Et voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc là, ils sont en train de finir de se préparer. Donc là, voilà, qu'il y a à côté de moi. Super soirée hier en plus. Oui. On a même vu Brigitte. Donc, une première journée, pas entière, mais une première journée pas trop mal, fatigante avec les transports et tout, matin, midi, soir, moi ça me fatigue énormément les transports. Et on a vu quelqu'un de connu. On a vu quelqu'un de connu. Pas on a connu, vu, peu connu parce que les gens ne connaissent que sa voix. On a vu une dame qui a énormément de talent. Voilà, on a vu une dame extraordinaire. Donc, une petite dame extraordinaire. Donc qui s'appelle Brigitte Le Cordier qui fait donc la voix française de Oui Oui, de Nicolas dans Bonne Nuit les Petits Dragon Ball Z et de deux persos il me semble dans Dragon Ball Z, c'est ça, et le
Conan, le fils de Futu, Son Goku. Voilà. Quoi d'autre? Je crois qu'on en avait fait plein d'autres aussi. Ouais, encore. Ah, sur son Twitter, il y avait marqué Goku et Gohan. Oui, mais oui, il y a aussi Conan, le fils de Futu. Ouais, elle avait pas tout mis, elle a dit bien d'autres. Mais voilà, donc voilà. C'était quelqu'un de très connu, mais vu qu'elle était aussi dans le manga, mais dans le tome 2, et ben, elle a été invitée. Elle est venue très tard dans la soirée parce que malheureusement, elle travaillait. Et en plus, elle a même battu le Zulman. Bah, normalement, ils l'ont vu. Hein. J'ai filmé, normalement. Oui, mais c'est bien je l'ai intégré au montage, ils l'ont vu. Voilà, donc on lui a parlé, on a fait des photos avec elle, elle est très très gentille. Et il faudra qu'on lui demande la dédicace. Par contre, ouais, je suis désolée, c'est pas la caméra, voilà, je tremble un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, s'ils refont la même chose pour la soirée du coup du deuxième tome, et ben, si on revient, on peut faire, des économies, et si on revient, ben, on la verra encore. Voilà, cette super dame. Donc, côté jeux vidéo, on a fait du coup une petite boutique, un Game Cash qui était juste pas très loin. On est allé à pied 900 mètres, c'était pas très loin. J'ai trouvé deux jeux DS personnellement. Je me suis acheté aussi dans une petite librairie le premier manga d'Animal Crossing que je lirai très bientôt. Et voilà, chacun pour l'instant a fait des petites trouvailles. Et aujourd'hui, oui, petit. Moi, j'ai une manga dédicacée. Ah ouais, tu veux le montrer ou plus tard? Plus tard. Plus tard, ok. Acheter. Attends, décale-toi de la lumière parce qu'on ne voit pas du coup. Et avec. Il faudra flouter un petit peu, voilà, certains éléments. Oui. Voilà. Pour le vlog, pour que ça soit vraiment pour tout le monde. Voilà. On floutera un peu. Et un petit jeu PS1, voilà, qui fait partie de la licence de Might and Magic. Bon, faut montrer le meilleur. Crusader of Might and Magic, qui est un mauvais jeu. Montre le meilleur. On est venu pour quoi? Oui, on est venu pour le manga Talento, mais ça, on n'arrête pas de le rabâcher. Ah oui, mais il faut. Vlog. Alors, le mien, il n'a pas été dédicacé parce qu'un mufle n'a pas pensé à le prendre. Bah, tout de suite. Donc, il est dans son jus, voilà. Nous, on l'a eu en avant-première, c'est-à-dire hier soir, sachant qu'il sort. Enfin, il y a d'autres gens qui l'ont déjà eu avant nous. Hein. Oui, mais voilà. Il sort le 16. C'est de l'arnaque. Voilà, donc là, on va finir de se préparer tranquillement et on va y aller. Tu vas parler de ça? Voilà, le tourisme. Bon, du coup, là, on est arrivé du coup boulevard Montmartre pour aller au musée de cire. On a enfin le vrai bruit et la vraie circulation parisienne. Et les klaxons. Voilà. Avec le Zulman qui est en train de manger un petit tanka. Voilà, on a pris le métro, ça a été long et très... mouvementé. Voilà, mouvementé. Et très dur. Et du coup, bah, là, on va y aller, direction le musée de cire.
voilà à la Tour Eiffel, la belle, la grande, qu'on appelle normalement, je crois, la Dame de Fer. Alors bien sûr, je ne monterai pas tout là-haut étant donné que j'ai le vertige et qu'en plus ça coûtait vraiment très cher. Mais voilà, avec l'énorme parc qui est derrière. C'est wow, impressionnant, la voie de 10 pâtés de maison aux alentours. Bon, il est où le Lafarge qui verse sa mère devant la cloche? Faites un saut sourire à la caméra. Voilà, là on vient de prendre un petit café, il est 17h30, une petite boisson. Et on va rentrer tranquillement à l'hôtel avec le tram, enfin le métro et le bus. Ah, on va. La Tour Eiffel de loin parce qu'on ne pouvait pas y accéder. Voilà, ils ont tout parqué la Tour Eiffel parce qu'ils font plein de travaux de rénovation, etc. Non, c'est parqué maintenant. Ah ouais? Non, c'est ça, c'est parqué pour te faire braquer. Bon, allez sous la Tour Eiffel. Voilà, la grande là-bas. Décalez-vous un peu que je fasse une photo sous la Tour Eiffel. Mets-toi à côté, mets-toi à côté de lui. Romain, mets-toi à côté de lui. Voilà, attention, sourire, clic. Pendant le live, je peux prendre des photos. Et voilà, donc là, on va se rentrer tranquillement, on va se poser un peu dans la chambre avant le repas du soir. Et voilà. Et pendant le repas du soir, on va décider du coup de ce qu'on va faire demain, vu que niveau tourisme, on a tout fait aujourd'hui. Voilà. Alors du coup là je vous reprends, je suis toute seule pour l'instant. Voilà, le chéri est allé se laver et le deuxième acolyte de voyage est parti lire à l'étage de restaurant. Donc là on est rentré, il est un peu plus de 19h, on est rentré à l'hôtel, on est fatigué. On a mangé une pâtisserie à 17h30, on a bu un petit truc, donc c'est vrai que pour l'instant on n'a pas faim. Je voulais vous montrer du coup mes petits achats du jardin de Mademoiselle. Donc j'ai pris leur thé classique, donc le Mademoiselle, que j'en ai senti 4 ou 5 et c'est celui qui me plaisait le mieux. Donc c'est du thé noir à la fraise et à la rhubarbe, il sent vraiment, vraiment très très bon. Voilà. Donc cette boutique est vraiment extraordinaire, tout est magnifique, on aurait envie de tout acheter. Mais il n'y a pas la place et bon, je pense pas que cette année je réussirai à trouver un mug en forme de citrouille. C'est dommage parce que ça me plaisait vraiment. Mais tant pis, j'ai craqué sur leur mug d'automne en bleu comme ça. Il est vraiment vraiment très très beau. Vu qu'on est arrivé par le train et qu'on rentre par le train, il va falloir que je fasse très attention à où je vais le ranger. Pour pas, je ne veux vraiment pas qu'il se casse, qu'il n'y a que du papier craft pour le protéger. En tout cas, je suis très 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 contente. Si jamais un jour on revient à Paris plus tard, on ne sait pas dans combien de temps, c'est sûr que je repasserai à cette boutique parce que je suis vraiment très très contente. Donc merci à celle de mes abonnés qui m'a parlé de cette boutique. Donc aujourd'hui, on a fait plein de choses. Pour vous résumer la journée, ce matin, on est allé petit déjeuner tranquillement. Ensuite, on est parti au musée Grévin qui était vraiment extraordinaire. On a mangé KFC le midi tranquille, calé. Après-midi, on a fait plein de boutiques de jeux vidéo. Ensuite, on est parti du coup pour le jardin de Mademoiselle, donc la boutique. On est allé voir la Tour Eiffel. Bon, c'est dommage parce que finalement ils l'ont parqué de tous les côtés, la Tour Eiffel. Maintenant ne peuvent rentrer que les gens qui payent pour y monter. Voilà, ce qui est dommage parce qu'on peut plus passer dessous. Mais bon, on s'est promené, on a pris des photos de la Tour Eiffel avec la Tour Eiffel. Et après on est allé se poser dans un café pas loin pour boire quelque chose, manger un petit quelque chose. Et voilà, ça fait une journée bien remplie. On a fait un peu tout le tourisme qu'on voulait faire, qu'on avait prévu de faire. Donc après, ben voilà, on va voir ce soir, réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait aller visiter, parce que finalement on doit libérer la chambre d'hôtel à midi demain, enfin avant midi. On aimerait manger quand même au restaurant à midi.
avant de partir. Et du coup, bah, on a le train à 16h et des poussières. Donc, il va falloir y aller très, très, très tôt parce que là, le soir, le bus est bondé. Il est vraiment bondé. Il ne peut pas prendre tout le monde aux arrêts. Donc, c'est vraiment chiant. Et là, demain, ce sera samedi, donc le week-end, il risque d'y avoir encore plus de monde dans les trains, dans le bus. Voilà, donc ben, on va passer la soirée tranquille. Je vous ferai peut-être voilà, quelques petites secondes de vidéo ou sinon des photos de ce qu'on va manger ce soir. Et voilà, sinon ben, on se retrouvera pour la suite du vlog demain. Du coup, on est samedi matin, on vient de prendre le petit déjeuner au même endroit qu'hier, donc le petit café bistrot qui est en face de l'hôtel. Aujourd'hui, là, on est surtout en train de, bah, de ranger nos affaires, parce que cet après-midi, on reprend le train pour rentrer sur Lyon. Donc là, ce matin, ça va être, on va aller marcher tranquillement jusqu'à la jardinerie Truffaut qui est pas loin. Voilà, si on a le temps, on va faire un petit tour voilà, dans le quartier à côté, voir les boutiques qu'il y a. Quand ce sera l'heure de rendre la chambre, on va revenir, prendre les bagages, rendre la chambre. Et après, à midi, on ira manger de nouveau au bistrot café en face. Après manger, on ira tranquillement à la gare. Voilà, on verra si on se trimballe les sacs ou si on les pose dans les consignes. Et après, on traînera autour de la gare. On essaiera de faire du repérage déjà pour savoir où est notre train. Et ensuite, on fera peut-être des boutiques dans le coin. Et puis voilà. Voilà, ce sera une journée tout simple. Une journée voilà, toute simple, toute tranquille. Juste de petites boutiques et de remballage d'affaires.